YouTube, on se retrouve cette fois pour de bon devant l'arène de Volucité, donc Arty de type insecte, qui possède donc un scobolide insecte poison et un manternel de type plante insecte. Et son arène, et ce sont des murs à traverser, si je me souviens bien, en tout cas dans le premier jeu. Et je vous propose qu'on la fasse du coup ensemble. Alors, que pensez de Volucité? La ville est très peuplée et venir jusqu'ici est épuisant, n'est-ce pas? Voici donc en dédommagement de l'eau fraîche disponible à toutes les arènes. Le thème de cette arène, passer à travers les murs. Au premier coup d'œil, ces murs de miel paraissent infranchissables. Mais en forçant un peu, vous n'êtes toujours pas rentré. Et si ça ne marche pas, essayez de marcher sur les boutons du sol. Les quoi du sol? Les boutons du sol? Je sais pas de quoi il parle. Les boutons du sol? Ah, il veut dire s'il y a des... Ouais, s'il y a des grilles. Ça marche. Ok, donc là il y a le clown. Alors le but c'est quand même de chercher tous les dresseurs et pouvoir tous les affronter. Hein. Dans l'arène de Volucité, les combats sont beaux et artistiques. Je dis ça parce que là il faut après qu'on ait un peu d'XP. On a un niveau de moins parce qu'on a, on évite le tryhard pour vous, pour Twitch. Hein, parce que YouTube sans vous, parce que YouTube de toute façon... comment dire? YouTube s'en tape, parce que YouTube ne subit pas ça. Par contre là, ils sont niveau 20 les Pokémon ici. Mais il n'aura pas au-delà du niveau 23 Arty en fait. Donc là en fait l'avance est large. Avoir 3 Pokémon nous aurait tout de même aidé. Voilà, c'est dit. C'est dit, c'est fait. Avoir 3 Pokémon, ça aurait été pratique. Après normalement avec 2 on passe. Hein. On a 9 niveaux d'avance, vous vous rendez compte de la dinguerie? La défaite aussi se doit d'être belle et artistique. Par contre, j'ai pas mis le multi-act. Je suis un connard, excusez-moi. Pourquoi j'ai une notif de Twitch? Ah, ok. Hop. Mais voilà. Bonjour. T'as rien loupé, ne t'en fais pas. Si, t'as loupé la Team Plasma à la limite, mais c'est pas très méchant. J'ai doublé un Gettys formidablement badass. Je me retrouve dans une vieille arène. Ah putain, je l'ai pas appuyé sur le bouton tout de suite. Tant pis. Appuie sur le bouton tout rond, et je viens à bon. Maintenant, prépare-toi. En train de faire une arène assez facile en vrai. Il nous reste une demi-heure de stream, ça va largement le faire pour l'arène. On aura même temps d'aller un peu dans le désert. Ça va être bon ça. Je pense que je vais esquiver, je vais tenter d'esquiver les dresseurs dans le désert pour aller sur l'autre route. Pour essayer de choper un Pokémon et de l'XP contre les dresseurs, parce que les dresseurs donnent plus d'XP que les Pokémon sauvages. Ça va être une stratégie qui va être pas forcément très très bien, mais bon à la limite je m'en fous un petit peu. Je essaie de faire le plus vite possible quoi, on va dire. Le plus efficace, pas forcément le plus vite. Krabicoc, t'es cru d'un Pokémon Unite toi? Krabicoc c'est pratique comme Pokémon, vous savez pourquoi? Parce que Krabicoc est de type insecte roche. Le type insecte se faisant défoncer par le type vol, le type roche défonçant le type vol, Krabicoc a une bonne défense contre sa faiblesse principale. Et même contre le type feu, parce que le type insecte se fait fumer par le type feu et le type roche fume le type feu. Donc à partir de là, c'était pas pour prendre des... J'ai pas le temps de lire, je suis en train de parler. Rester caché, ce n'est pas mal émoussé. Ça m'a pas mal émoussé. Il y a des boutons partout. Hein. Ça fait tellement rire. Il y a un mec derrière. Excusez-moi. Parfait. Merci! Merci de m'avoir appelé! Pour t'exprimer ma gratitude, voici un petit quelque chose enrichi en capacité Pokémon. C'est chelou, c'est des murs de miel! En fait, faut que tu les traverses en forçant un petit peu, quoi. C'est original. Dans Noir et Blanc 2, c'est des cocons d'araignée. Ça, c'est moins bien, ça. Heureusement qu'il n'y a pas d'araignée, quoi.
Bon, les niveaux d'avance, c'est agréable. Hein. Pas avoir à s'inquiéter en arène de perdre son Nuzlocke. Ça surpasse tout le reste. Vous avez perdu car tu avais un mental plus fort. Tu m'as montré, je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de lire. Si tu m'avais pas marfé Furfeu Bouton, j'aurais dû refter café encore. Dans l'arène infecte, je ferais vraiment infect. Ah ouais. Bon, c'est pas ça qui va convaincre les gens de m'engager comme doubleur professionnel. Je comprends, je saisis bien l'idée, mais. Il reste 25 minutes. Je suis en train de voir un peu comment ça se passera pour l'arène, c'est pour ça que je regarde le temps. Il y a un mec. Parfait, un nouveau mec à défoncer. J'arrive! Alors, cette arène Pokémon est bizarre, non? Mais ce qui fait son charme. C'est ce qui fait son charme, pardon. Allez, petit venipat. Merci. En vrai, je pense que Cartier va tomber très facilement. Ça, c'est la bonne nouvelle que je peux vous dire. La mauvaise, bah, c'est qu'on a toujours deux Pokémon, quoi. Si on a toujours deux... En fait, le truc, c'est que si j'arrive pas à garder plus de deux Pokémon, ça va devenir problématique au bout d'un moment, en fait. Même si j'ai des niveaux d'avance. Hein. Toi aussi, tu as du charme. Merci, merci. Ah, j'ai pas appuyé sur le bouton, je suis un connard. Ça, c'est le bouton final, il y a les marges derrière, de toute façon. Il fait très bizarre, quand même. Mais j'aime beaucoup... Le bruitage me fait beaucoup rire, par contre. Ah, j'ai déjà appuyé sur celui-là. Là, il doit en rester un, je pense, derrière ça, normalement. Puis après, il y a le boss, quoi. Arty l'artiste. Là, si tu me dis qu'il n'y a aucun clown là-dedans, je suis étonné. Ok, je suis surpris. Un tout petit peu déçu aussi. J'aurais pas été contre encore un petit bonhomme. Petite save, j'en ai marre de pas sauvegarder. Hein. C'est marrant, mais pas pour tout le monde, quoi. J'en ai pas de nom, mais genre Loki, par exemple. Ça l'a un peu gavé de perdre toute sa progression d'il y a deux jours. Hein. Bonjour! Encore merci pour ton aide précieux, jeune dresseur. Mes Pokémon insectes frémissent d'impatience d'en découdre avec toi. Allons, que ce combat soit digne de mon plus grand chef-d'œuvre. Allez, Arty! Il a un Pokémon de plus que moi! Je crois que normalement, il a un Scobolide, un Krabicoque et un Manternel. Si je me souviens, ou un Couverdure. Je sais plus s'il l'a fait évoluer ou pas son premier Pokémon. Oh, c'est niveau 21. Mais il est à chier. Mais frérot, XP tes Pokémon un petit peu. Que poison. Ah, ça c'est pas bon ça. Ça empoisonne pas, hein. Ah, non, c'est pas sûr. Attention, je vais pas me contenter de faux semblants. On attend pas moins de toi, Arty. Salut, Arty. Krabicoque. En vrai, restons avec le stab. On est bien. Ah, non, on est pas très bien, non. Oh, si, c'est bon, on peut encaisser. On peut encaisser. Là, si je fais pas grand-chose, je ferai honte folie après. Si je fais pas beaucoup de dégâts. J'en ai rien à foutre, oui. Manternel. Manternel, un petit peu chiant, Manternel. Type plante insecte. Serait-ce bientôt la touche finale? Eh ben, sûrement. Dommage, hein, tu l'as pas soigné. Hein. Il m'a quand même mis dans le orange. Lui va le soigner ou pas? Je sais plus s'il le soigne. Faut que je soigne le mien au cas où.
Je prendrais pas le risque de perdre mon Pokémon en fait là. 60, ça suffira très largement. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Tout va bien. Par contre, je vais jouer un peu sur le statut et je vais le rendre confus. Ça l'empêchera d'attaquer autant de fois qu'il le veut. Il me fait quand même mal avec ses tranches herbes en vrai. Et Matloot aurait pris bien plus cher, pensez-y. C'est que là, finalement, je m'en sors quand même plus ou moins bien en vrai. Pas pouvoir encaisser ça à long terme. Non, allez, mais prends-toi des dégâts de confusion, non? Il me fera jamais 47, mais il... Le truc, c'est qu'il peut me faire quand même super mal, quoi. Je tape en deuxième, hein. Bah oui. T'as un foutu truc de soin. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des hyper potions, 50, ça suffira largement. Arty! Range tes putains de potions! Oh, mais il va me gaver, Arty, c'est incroyable, hein. Prends-toi une coupe dans la gueule. Et là, prends les dégâts, s'il te plaît. Oh merde. Envie d'open la game. T'as envie d'open la game. Abri. Pourquoi faire? Il est plus confus. On va devoir commencer. On va devoir commencer le confusion. Mais il ne meurt pas, mais c'est incroyable, hein. J'ai envie de péter un câble. On va utiliser une super potion, on est bien, on a de l'avance, hein. Tu ne le mettras jamais KO Mirada, en fait. Bah oui, évidemment que ça échoue. Voilà, t'as plus de potion, là t'es mort. On a raison d'XP un petit peu, mais là on va devoir recommencer un petit peu. J'ai loupé. Mais Miradar, tu rundones là. C'est pire que Dracofeu à la ligue. Merci. Oh, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Niveau 30. Mesdames et messieurs, niveau 30. Orage au désespoir, ma musement est-elle abandonnée? J'avais deux Pokémon. Que vois-je? Un manque d'inspiration, je suis des fées. Alors que tu es là, baignant dans la gloire et le triomphe. Un instant, ce tableau n'est pas parfait. Il manque ceci. Mon badge d'arène, et tu l'as bien mérité. N'inquiétez pas. Bientôt la moitié du jeu. Que ce badge est magnifique. Et puisqu'il est en troisième, tous les Pokémon jusqu'au niveau 40 t'obéiront au doigt et à l'œil. Mais mon inspiration est sans borne. Comme je ne résistais, alors voici. Sur Vincent, qui est une bonne capacité en vrai. Sur Vincent permet, en bonus, de réduire l'attaque spéciale de l'adversaire touché. Car de petites choses peuvent en amener de bien grandes. Bon, YouTube, ça c'est pas mal. Je pense que nous on s'arrête là, parce que YouTube c'est le best-of de... J'ai pas pris la bonne, je suis un connard. Pour YouTube, vous, c'est le best-of de l'arène uniquement. Donc c'est les best-of les plus courts, hein, mais c'est les plus intenses, c'est ceux des arènes. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve au prochain best-of YouTube. Qui sera sûrement le désert au total. Toute la partie entre Volucité et Méranville. Et après vous aurez du coup Méranville. Puis vous aurez pareil le reste. Donc YouTube, on se laisse là. Et on se retrouve. Oh, je peux pas faire une conclusion tranquille. Hein. Et Théo, j'ai envie de me battre contre toi. Je suis entraîné avec Iris et je suis devenue plus forte. Il faut bien que je puisse protéger mes Pokémon. Hein. Bon bah je t'attends à la porte qui est sur la route 4. Voilà c'est tout je crois. A plus. Connasse. Évidemment qu'on va accepter. Donc YouTube, évidemment, c'est terminé et on se retrouve du coup pour le défi de Bianca une prochaine fois au prochain best-of. N'hésitez pas à aller sur Discord, c'est là que vous aurez toutes les infos sur le planning, mais également Facebook et Twitter, si c'est juste pour le planning. On se retrouve plus tard et ciao ciao YouTube.